Venezuela dispose d'un passé musical très riche. C'est pendant le carnaval que les socas, les merengues, les calypso et les steel bands percutent leur rythme, leur danse, leur mélodie et leur couleur. Ce sont toutes ces sources qui nourrissent et inspirent la salsa, dernière venue des musiques populaires du pays et qui lui donnent cette saveur violente et originale. C'est fort à propos avec le nom de salsa qu'on a baptisé ce rythme qui se pratiquait dans toute la Caraïbe et parmi les communautés latines de New York. C'est une appellation inventée pour une pub de la télévision vénézuélienne et qui disait « Passe-moi la sauce ». L'animateur Danilo Escalona reprendra le slogan et grâce à son succès, il intitule son programme « À l'heure de la salsa, el sabor y el bembe ». Le son ici au Venezuela se joue et se danse depuis 1933, depuis que le trio Matamoros est venu pour la première fois, puis pour une seconde fois. La vérité, c'est que le son, c'est l'origine de la salsa. Et quand on me dit, votre orchestre joue de la salsa, je reprends toujours, non. Mon orchestre joue du son cubain traditionnel.
de la musique cubaine afro-latine et caraïbe. Maintenant, ils ont choisi ce nom de salsa. Pourquoi faire ? Pour vendre un produit, le disque. L'immigration au Venezuela a commencé vers les années 40 avec l'apport en devises issu de l'exploitation du pétrole vénézuélien. La production de ce revenu nouveau a contribué au développement d'un prolétariat industriel qui s'est déplacé pour venir peupler les banlieues de Caracas avec sa propre culture afro-vénézuélienne. C'est sans doute le principal vecteur qui a permis à la salsa d'arriver à Caracas, au Venezuela, de se fixer et de s'acclimater tout naturellement. Thank you.
La salsa est évidemment une expression urbaine, latino-américaine, afro-américaine et caraïbe. Par son ascendance africaine, elle se situe au cœur d'un patrimoine dans lequel se retrouvent tous les produits de l'évolution de l'esclavage, c'est-à-dire du transfert de ces esclaves venus d'Afrique sur la côte américaine, et de la création de communautés aux origines afro-américaines. Tous les ans, on chantait une chanson en l'honneur des femmes et des anciens. Cette chanson disait « Je vous souhaite une bonne et heureuse année ». Nous, les indigènes du Venezuela, on chantait pour célébrer la Noël. On chantait « Quel beau jour, c'est le jour de Noël, ton père va venir avec des cadeaux merveilleux ». Après est venu le jour des fous,
et puis le jour des innocents. Ensuite est arrivé le carnaval. Ici, à El Callao, au cœur des Guyanes vénézuéliennes, le carnaval a conservé son expression la plus populaire. La vénération païenne du roi Momo avait donné ses lettres de noblesse au carnaval de Caracas qui fut dans les années 50 le plus important carrefour des musiques et des danses de toute l'Amérique latine. Le carnaval renaît aujourd'hui, plus exotique que jamais grâce à ses racines africaines venues des îles voisines, de Trinidad et des Antilles anglaises. Il trouve aujourd'hui, dans la population de El Callao qui exploite les mines d'or, un tissu culturel profondément réceptif au rythme du calypso et de la salsa. Les orchestres de steel band sont nombreux et les mélodies s'expriment indifféremment en anglais, en espagnol ou en pidgin, le créole anglais. Au siècle dernier, une forte immigration venue des Antilles s'est ajoutée aux descendants des esclaves qui étaient employés dans les fermes pour exploiter les mines d'or de El Callao. Ce sont ces Afro-Antillais, principalement, qui ont imprégné la salsa de leur culture musicale des îles. Le calypso règne en maître sur les autres rythmes, tout en s'intégrant à la grande tradition de la danse et de la fête. Thank you.
Sur l'île de Margarita, c'est curieusement le ciel que les pêcheurs ont coutume d'observer, plus que la mer. Car ce sont les oiseaux qui les avertissent de l'approche des bancs de sardines qui, périodiquement, envahissent le littoral. Les pêcheurs, aidés de leurs nombreuses familles, traînent sur le rivage leur pêche miraculeuse, tandis que sur les plages voisines, des groupes de salsa se succèdent pour divertir la population balnéaire. Es
Oscar de León est un personnage incontournable en ce qui concerne la renommée de la salsa. C'est un sonero inné. C'est un homme qui connaît parfaitement la manière de se rapprocher d'un peuple ou d'un public en chantant ce que le public désire écouter. Dans la chanson cubaine ou celle de la Caraïbe, il y a les paroles et ces paroles donnent un sens à la musique. À l'heure de l'improvisation, avec ce que l'on appelle le mambo, le chanteur se doit d'improviser, mais il doit le faire sur un thème. Justement, Oscar de León possède cet art de l'improvisation pour interpréter sans texte écrit, pour saisir ce qui lui passe par la tête, mais avec des rimes. C'est cela le grand art d'un sonero et celui d'Oscar de León qui font la renommée de cette musique à danser. Más larga, todas las dos últimas horas. Ah, ¿está bien? Un, dos, tres, y... Dans la catégorie des soneros, je suis un sonero parce que je suis capable de chanter n'importe quoi. Ce qui se présente, je le chante parce que je crois que je le fais bien, que je peux le faire et que, par conséquent, je peux me considérer comme un sonero. On peut dire qu'à aucun moment la salsa n'a pu se développer grâce à sa propre innovation stylistique. La guaracha cubaine et la musique colombienne ont eu du succès au Venezuela car ce sont des musiques facilement accessibles à tous les publics qui pratiquent la danse. La salsa, au contraire, exige une plus grande concentration et une plus grande souplesse dans la danse, ce qui n'est pas obligatoirement à la portée de tout le monde au Venezuela. Seules les classes prolétaires, peut-être à cause de leurs origines africaines, ont aisément accepté et assimilé ce phénomène de la danse qu'est la salsa. Ese fenómeno bailable de la salsa. Desde aquí, de este querido barrio Guaquipulo, para toda la gente que lo están viendo por allá en Alemania, en Francia, Italia, España, en vivo y en directo,
También ese saludo de nosotros, de estos venezolanos, a todos esos latinoamericanos que se encuentran por allá. Ok, nuestra música latina para que gocen a nivel sin miedo. Oye, con flores saluda. ¡Oh! Oye, bandero. J'ai commencé ici en 81, tu sais, dans le quartier. Je suis né ici, j'ai grandi ici et j'ai tout appris ici, sans professeur, sans rien. Au début, je me débrouillais et maintenant, je suis passé professionnel au milieu de ces gens, les gens du quartier. Bon, les disques au Venezuela, tu sais, à cause du coût de la vie, du prix élevé des matières premières, du dollar et de tout ça, les gens, ce qu'ils font en général, c'est des échanges. Ils achètent un disque et ils l'enregistrent pour tout le quartier. On ne peut pas acheter, c'est trop cher. Et puis, aujourd'hui, pour produire un disque, imagine, il faut appeler Rockefeller pour lui demander un prêt. À un moment donné, le jazz s'est beaucoup inspiré de la musique latine, puis de la bossa nova. Il y a eu deux époques, Gillespie, Parker,
et toute une série de choses qui ont créé le jazz latino. Mais celui qui s'écoute le plus, c'est le jazz américain. Le jazz est américain, mais il y a un jazz cubain qui est né à la même époque, et la salsa s'est ainsi beaucoup nourrie du jazz. C'est un échange, une influence mutuelle, un prêt dans la manière d'appréhender l'improvisation. Le mambo apporte beaucoup au jazz. Par exemple, Machito, c'est lui qui marque la frontière. C'est Machito qui dit ce qui est de la salsa et ce qui est du jazz. L'origine vient de l'Afrique, Cuba l'a adopté, Puerto Rico l'a modernisé et le Venezuela a mis son grain de sel pour pratiquer cette musique si savoureuse et contagieuse. Yeah.
se ha avanzado muchísimamente técnicamente, ¿ok? Bueno, la dimensión latina, ahora para ustedes, con un nuevo instrumento musivocal. Y dice así, por favor, escuchen bien. Este instrumento salió de una banda venezolana. A ver si ustedes saben cómo se llama, dice. ¡Vamos a acompañar a Francis!
atención, vamos, aplauso, aplauso, aplauso.